Quand on voit un dirigeable flottant gracieusement au-dessus de nos têtes, on a du mal à imaginer que ces ballons furent aussi des armes de guerre. Pourtant, au cours de l'histoire, ils ont servi comme bombardiers, porte-avions, dragueurs de mines et appareils de reconnaissance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont déployé plus de 100 dirigeables géants pour contrer la menace des sous-marins allemands. De nos jours, le dirigeable s'est transformé en un outil sophistiqué de la guerre électronique. Juin 1991, voyage inaugural du Sentinel 1000 construit par Westinghouse. Avec l'ordre de largage, il s'élève de son aire de lancement et retrouve un rôle abandonné depuis plus de 30 ans, une mission militaire pour ses véhicules plus légers que l'air. Même si l'on voit couramment des dirigeables servir de support publicitaire ou de plateforme aérienne pour les caméras de télévision, le Sentinel 1000, lui, transporte un réseau complexe de moniteurs de surveillance électronique, de radars et d'équipements de communication. Les promoteurs de ce dirigeable affirment que ce nouveau système d'armes n'a pas son égal en termes d'endurance et de capacité d'emport. Malgré son vernis de modernité, à l'origine du Sentinel, il y a une technologie vieille de plus de 2 siècles qui a permis d'envoyer des hommes dans les airs plus de 100 ans avant l'exploit d'Orville et Wilbur Wright. Quand on voit un dirigeable passer dans le ciel, il dégage quelque chose qui attire immédiatement l'attention de ceux qui le regardent du sol. Un avion passe, on n'y pense même pas. Mais quand il s'agit d'un ballon, les gens s'arrêtent. Ils regardent en l'air, ils l'observent alors qu'il traverse le ciel. Il y a quelque chose dans notre perception d'un dirigeable qui nous dit que ce n'est pas possible, que c'est incongru. Un engin d'une telle taille ne peut pas rester en l'air. Alors, on lève les yeux une fois de plus pour s'assurer que pourtant, il en est bien ainsi. Just to assure yourself that this is really so. The whole town turned out when they Toute came. La ville accourait quand les dirigeables arrivaient. Monsters, you wouldn't believe. Vous parlez des monstres comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer la taille qu'ils avaient. Si gros, si long. C'était très impressionnant de voir quelque chose d'aussi énorme dans le ciel, tout seul, avec des hommes pour le diriger. Merveilleux. C'était merveilleux à regarder. Le 5 juin 1783, deux Français, Joseph et Étienne de Montgolfier, lancent le premier ballon plus léger que l'air. L'appareil est un gigantesque sac en papier et en soie, maintenu au-dessus du sol par de l'air chaud. 2 mois plus tard, une foule de 50 000 Parisiens applaudit lorsque le premier ballon à hydrogène du professeur Jacques Charles s'élève dans les airs. Il a échappé à leur contrôle et s'est posé dans un village. Pensant que c'était l'œuvre du diable, les paysans l'ont attaqué à coups de fourche et l'ont mis en pièces. Entre le milieu et la fin du 19e siècle, plusieurs personnes tentent de trouver des solutions pour rendre un ballon dirigeable. On devait pouvoir l'orienter, lui adjoindre un moyen de propulsion et le faire se déplacer dans les airs à sa guise. Le ballon sphérique est le plus simple à fabriquer. Mais bientôt, les aviateurs se rendent compte qu'une forme allongée est plus facile à manœuvrer. En 1901, Alberto Santos Dumont fait voler son dirigeable de 33 mètres propulsé par moteur à essence et effectue une promenade aller-retour de 11 km depuis la banlieue de Paris jusqu'à la Tour Eiffel en moins de 30 minutes. Pendant que Santos Dumont perfectionne ses engins en France, le comte Ferdinand von Zeppelin, lui, poursuit ses rêves en Allemagne. Le comte, alors jeune officier, avait fait un voyage aux États-Unis comme observateur de la guerre de sécession. C'est en voyant des ballons qui participent au combat que commence sa fascination pour les plus légers que l'air. Les ballons et les blimps
sont des dirigeables non rigides. Zeppelin se met à concevoir des dirigeables rigides. Ces appareils comportent une structure métallique interne. L'hydrogène est emmagasiné dans des cellules à l'intérieur de la structure. Depuis le premier vol de son LZ-1 en 1900 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, le comte von Zeppelin lance 25 dirigeables différents. Bien que la plupart aient été des échecs, il ne renonce pas à son rêve de voyage en dirigeable. Et en 1909, il fonde la première compagnie aérienne commerciale baptisée The Lag. C'était devenu la grande mode de faire un tour en Zeppelin pour observer le monde en dessous de soi. Les dirigeables de Ferdinand von Zeppelin effectuent plus de 160 000 km transportant plus de 37 000 passagers pour des excursions touristiques à travers toute l'Allemagne. Le travail de von Zeppelin attire l'attention des militaires allemands. Les généraux décèlent le potentiel des dirigeables pour un nouveau type d'action militaire, le bombardement stratégique. En 1915, l'Allemagne envoie ses dirigeables pour leur premier raid aérien contre la Grande-Bretagne. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un engin aérien devenait un instrument de guerre, s'en prenant à des populations civiles innocentes. Au cours de la guerre, les 128 dirigeables allemands larguent 62 tonnes de bombes sur la Russie, 50 tonnes sur la France et 220 tonnes sur l'Angleterre. Les Britanniques commencent à leur tirer dessus avec des canons anti-aériens, mais évidemment, les Zeppelins volaient plus haut que la portée des canons anglais. Ils finissent par les attaquer avec des chasseurs. Les avions embarquaient des balles incendiaires, car il suffisait que deux de ces balles touchent un dirigeable pour le transformer en torche. Pour se défendre, les dirigeables transportaient quelques mitrailleuses. Mais en fait, il leur suffisait de grimper car les moteurs des avions de l'époque ne pouvaient pas monter aux altitudes atteintes par des dirigeables. C'est donc devenu une course à la technologie. Plus les dirigeables pouvaient monter haut, plus les avions progressaient pour pouvoir les suivre. Pendant les derniers engagements de 1918, le Zeppelin pouvait grimper à l'altitude maximale de 6600 mètres. Ils ont fait 500 à 600 victimes, y compris des femmes et des enfants, qui, pour la plupart, ne participaient pas au combat. En fait, ces raids de Zeppelin restaient tout de même très aléatoires. L'armée allemande a cessé d'utiliser les Zeppelins à la fin de l'hiver 1917. On les trouvait trop difficiles à gérer, trop peu fiables et trop dépendants des incertitudes de la météo. Ils ne valaient ni les efforts déployés, ni les dépenses pour les construire, les entretenir, les garer et les faire manœuvrer. Pendant la Première Guerre mondiale, le dirigeable se révèle une excellente plateforme de reconnaissance aérienne. Loin au-dessus des lignes de bataille, hors de portée des tirs ennemis, les dirigeables suivent les mouvements des troupes. Les capitaines de ballons allemands improvisent ce qu'on a appelé la mission la plus solitaire de la guerre, l'observation à partir des nacelles des nuages. La nacelle des nuages était un système qui permettait aux Zeppelins de voler très lentement, ou même de stationner au-dessus des nuages et de descendre au bout d'un câble une nacelle d'observation qui perçait la couche nuageuse. L'observateur pouvait obtenir les renseignements et les transmettre par téléphone avant de se faire remonter. Aussi dangereuse qu'elle soit, cette mission ne manque pas de volontaires. Les hommes d'équipage revendiquent l'opportunité de dériver bien en dessous du vaisseau mère rempli d'hydrogène pour profiter d'un passe-temps strictement interdit là-haut, fumer une cigarette. Les Alliés aussi utilisent des ballons de reconnaissance pendant la guerre.
Des observateurs sont envoyés dans des ballons à hydrogène pour les pointages d'artillerie et le repérage des mouvements de troupes ennemies. Nous avions même des unités de ballons au sein de l'armée. Les hommes suivaient une formation spécifique pour entretenir et manœuvrer les ballons. Ils transmettaient leurs rapports par un câble téléphonique longeant le filin qui retenait le ballon. Ils donnaient des informations sur les troupes et les mouvements ennemis. Ils étaient les yeux de l'armée à cette époque. Il n'y avait pas de satellites ou d'avions de reconnaissance à haute altitude. Nous avions une grande considération pour eux. Bien entendu, ils étaient la cible favorite des avions. Ça se passait comme ça. La balle passait à travers le ballon et le pilote sautait. Le ballon se consumait à l'intérieur et brusquement, on entendait un gros pouf. Il explosait comme un sac en papier. C'était effrayant de voir la vitesse à laquelle ça se passait. Les Anglais développent des ballons rigides à la fin de la guerre, copiant leur plan à partir de zeppelins allemands abattus. En 1919, ils lancent le R-34. Propulsé par 5 moteurs de 250 chevaux et volant à 100 km/h, le R-34 sera le premier engin volant à traverser l'Atlantique sans escale. Son homologue, le R-33, est le premier dirigeable à transporter un avion et à le larguer en vol. En 1925, un accident au mât d'amarrage démontre la validité de la conception par cellules gazeuses des dirigeables rigides. Bien que très endommagé, le R-33 se pose en toute sécurité. À la fin des années 20, les Anglais lancent de nouveaux modèles, différents des zeppelins, les énormes R-100 et R-101. Mais en 1930, le R-101 explose au milieu d'un orage et le R-100 est bientôt interdit de vol et vendu à la ferraille. C'est la fin du programme de dirigeables rigides anglais. Aux États-Unis, le développement des rigides prend une tournure différente mais tragique. Aujourd'hui, les seuls souvenirs qui restent des dirigeables géants américains sont les hangars qui les abritaient autrefois. Un à Lakehurst dans le New Jersey, l'autre à Sunnyvale en Californie. C'est le vent à 60 mètres au-dessus du paysage avoisinant, ces cavernes de métal paraissent énormes en regard des avions d'aujourd'hui. Mais il fut un temps où elles étaient juste assez grandes pour protéger les dirigeables de l'US Navy, ces yeux du ciel, rêve des militaires américains. Ce rêve voit le jour à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'après la défaite allemande, les États-Unis doivent faire face à une nouvelle menace potentielle, la marine japonaise. Pour contrer cette menace, de nouvelles mesures doivent être prises, comme l'avait prévu un document du temps de la guerre connu sous le nom de Plan Orange. Cette stratégie, élaborée autour d'une possible gigantesque bataille navale entre les marines américaines et japonaises, encourage les stratèges à opter pour les dirigeables. On espère ainsi développer les capacités de reconnaissance aérienne de l'US Navy. L'Amérique se lance dans un programme de construction de ses propres dirigeables rigides, basé sur un vieux zeppelin allemand saisi pendant la Première Guerre mondiale en France. La machine terminée, loin d'être révolutionnaire dans le domaine des performances, correspond pourtant aux spécifications des militaires. Avec le Shenandoah, l'Amérique se lance dans la conduite d'opérations avec des dirigeables. Il semble alors que la Navy va se doter d'une véritable arme plus légère que l'air. Mais on a besoin d'autres vaisseaux, et ironiquement, c'est un vieil ennemi qui livrera le dirigeable suivant. L'Allemagne n'avait plus le droit de construire ses propres dirigeables rigides. La société Zeppelin était donc très mal en point. Mais elle devait fournir un appareil aux États-Unis, qui est devenu le Los Angeles. Le Los Angeles est livré après une traversée de l'Atlantique. Construit à l'origine pour être rempli d'hydrogène, un gaz très volatile explosant facilement, il a été modifié pour recevoir de l'hélium. Malheureusement, l'US Navy ne dispose pas d'une quantité suffisante de ce gaz pour remplir plus d'un dirigeable. La solution est de pomper tout l'hélium du Shenandoah pour le transvaser dans le Los Angeles, stationné à côté.
C'est le début d'une série de vols d'essai extraordinaires avec le plus sûr des dirigeables qu'aient jamais reçu les États-Unis. Pourtant, il était encore dépendant des caprices de la météo, le seul véritable ennemi d'un dirigeable en temps de paix. Ce n'était pas aussi rigide qu'on pouvait le penser. Le Los Angeles faisait occasionnellement des expéditions au sud de l'Atlantique Nord et nous tombions quelquefois dans des turbulences sauvages avec du vent. Le ballon se déformait, on pouvait le voir plier. On changeait de cap pour sortir des orages. On ne volait pas dans les orages si nous pouvions l'éviter. Après ces essais, une visite d'entretien s'impose et l'hélium est de nouveau transféré dans le Shenandoah. Glissant au-dessus de l'Ohio, un matin de septembre 1925, le Shenandoah est pris dans un orage. Après une secousse particulièrement violente, il commence à se briser. À 5h30 du matin ce jour-là, le Shenandoah n'est plus qu'un amas d'aluminium et de toile disséminé dans un champ. L'US Navy vient de perdre 14 de ses meilleurs aéronautes. Pour remplacer le Shenandoah, la Navy décide de faire construire deux énormes dirigeables comme appareils de reconnaissance de la flotte américaine. Ils seront plus gros, plus modernes et beaucoup plus coûteux que tout autre vaisseau de l'aéronaval. À une époque où un grand avion pouvait être construit pour quelques milliers de dollars, l'USS Akron coûte plus de 5 millions de dollars. Mais une fois terminé, c'est le plus gros et le plus moderne de tous les dirigeables du monde. Pourtant, malgré son air invincible, il est aussi fragile que tous les autres ballons. Construit avec des kilomètres de longeron en duralumin, constitué de feuilles de métal à peine plus épaisses que des canettes de boisson, il est recouvert d'un mince tissu de coton. D'abord, il était enduit lorsque toutes les surfaces étaient tendues. Puis, il était recouvert d'une peinture d'aluminium qui lui donnait cet aspect métallique. L'Akron est une merveille de technologie. Les moteurs du dirigeable, 8 V12 fabriqués par Maybach en Allemagne, sont montés à l'intérieur de la coque où ils peuvent être entretenus en vol relativement facilement. Les axes des arbres de transmission qui animent les hélices peuvent être orientés dans plusieurs directions, ce qui permet à l'Akron de manœuvrer mieux qu'aucun autre dirigeable. Pour compenser le poids du carburant consommé, d'énormes condensateurs récupèrent l'eau des échappements pour maintenir l'équilibre. Un dirigeable est une machine complexe, plus proche d'un bateau à voile naviguant dans le ciel que des premiers avions avec lesquels il est en concurrence. Comme un navire, il est servi par un équipage important formé à maintes procédures compliquées. Le vaisseau était commandé comme un véritable navire, pas comme un avion, dans lequel il y a le pilote et le copilote. Le capitaine commandait le vaisseau. Un homme s'occupait de la barre de direction alors qu'un autre contrôlait l'altitude, tandis que des machinistes surveillaient les moteurs. C'était complètement différent d'un avion. L'atterrissage de l'énorme appareil nécessite aussi de nombreux hommes. Si nous larguions un filin de la proue, les équipes au sol se disposaient en une sorte de grand V et nous descendions l'appareil. Elles ne tiraient pas pour le faire descendre, elles aidaient simplement à le guider. Une fois qu'il était assez bas, elles tiraient le dirigeable vers son mât d'amarrage et y attachaient le cône avant. Ensuite, on démarrait les moteurs du chariot et on remorquait le dirigeable dans le hangar. Alors que l'on teste le nouveau vaisseau, un dirigeable jumeau baptisé le Macon prend forme à Akron, dans l'Ohio. Lorsqu'il entre en service en 1933, le rêve de l'US Navy de disposer de deux porte-avions volants devient réalité. L'Akron doit patrouiller dans l'Atlantique, tandis que le Macon se réserve le Pacifique. L'Akron et le Macon devaient servir de porte-avions volants. Le concept mis au point entre les années 20 et 30 consistait à placer les dirigeables en tête de la flotte. Ceux-ci lanceraient périodiquement des avions de reconnaissance qui se déploieraient en éventail à la recherche de la flotte ennemie pour alerter au plus vite de l'approche des navires ennemis.
Ensuite, les avions retourneraient vers l'Akron et le Macon, seraient récupérés et remis dans leur hangar. Si des avions ennemis essayaient d'attaquer les deux dirigeables, ceux-ci pouvaient lancer des chasseurs, les Sparrowhawks, pour affronter et descendre les avions ennemis. Le Curtiss Wright Sparrowhawk est sélectionné comme avion de reconnaissance et de chasse. Choisi pour ses dimensions réduites, le Sparrowhawk, un avion embarqué aux performances médiocres, semble pourtant parfaitement adapté pour les dirigeables géants. Accrochés au bout d'une grue, ils peuvent être descendus un par un d'une ouverture au fond de la coque et de là lâchés dans les airs. Comme un porte-avions classique, le dirigeable se tourne face au vent et les minuscules avions mettent les gaz, suspendus à une barre métallique, le trapèze. Dépassant à peine la vitesse de décrochage, ils tombent littéralement au largage avant de gagner suffisamment de portance pour effectuer leur mission. Pour la récupération, on inverse la procédure. Les avions remontent pour regagner le dirigeable. Des problèmes apparaissent de temps en temps et sont résolus grâce à l'ingéniosité légendaire des hommes de la Navy. Lorsque le dirigeable s'envolait de la base de Moffett, les avions restaient d'abord au sol en attendant que le dirigeable atteigne une certaine altitude. Ensuite, ils décollaient et venaient s'arrimer au vaisseau mère. À ce moment-là, les équipages démontaient les trains d'atterrissage des avions et installaient des réservoirs supplémentaires pour augmenter leur autonomie en reconnaissance. Après cela, les Sparrowhawks étaient condamnés à revenir s'accrocher au Macon parce qu'ils n'avaient plus d'autre endroit où revenir. Au cours des premiers mois de 1933, l'Akron est engagé dans des manœuvres avec la flotte et des vols de démonstration pour la presse. Le programme des vols est très chargé, certainement parce que l'US Navy a beaucoup investi dans ses nouveaux dirigeables et que le Congrès exige des résultats concrets. Après deux séries d'exercices avec la flotte, les résultats ne sont pas très concluants. Le gros dirigeable est en fait plus un banc d'essai expérimental qu'un concept ayant fait ses preuves. Et une fois de plus, les aléas de la météo s'en mêlent. Croisant au large de la côte est par une nuit d'avril dégagée, l'Akron se retrouve pris dans la plus forte tempête de l'année 1933. Le commandant de bord résiste longuement et âprement pour maintenir l'appareil en l'air, mais peu après minuit, des vents violents le forcent à descendre d'une altitude d'environ 500 mètres jusqu'au point où la dérive de queue touche l'eau. Lâchant du lest, il tente de regagner de l'altitude, mais les dégâts sont faits. La queue est happée par la mer en furie. Quelques minutes plus tard, l'Akron se brise. À l'arrivée des secours, 72 hommes sur les 76 membres de l'équipage sont morts. Ce scénario mortel va devenir familier pour l'US Navy. Bon nombre des meilleurs aéronautes disparaissent dans la catastrophe de l'Akron, y compris un des plus fervents partisans du programme, le contre-amiral William Moffett, chef du département aéronautique de l'US Navy. Le Macon reste seul pour défendre la cause des dirigeables rigides. L'erreur n'est plus permise. Le dirigeable commence alors une longue série de traversées transcontinentales, de vols de relations publiques et d'exercices navals. Le scepticisme des milieux officiels commence à assombrir l'avenir de la division des dirigeables de la Navy, mais le Macon continue ses démonstrations. En avril 1934, en route vers la Floride, le dirigeable survole une région montagneuse du Texas. Il est pris dans un coup de vent. Une fixation de la dérive arrière est endommagée. Cela laissera une faiblesse qui va se révéler fatale. En février 1935, le Macon participe à des exercices navals au large des côtes californiennes. Le gros vaisseau remporte une série de victoires sur des opposants simulés et le moral est au plus haut. Avec ses quatre avions de reconnaissance arrimés dans sa coque, le Macon effectue un large virage et met cap au nord vers sa base de Moffett Field à Sunnyvale en Californie. Le 12 février 1935, le Macon essaie de revenir à Moffett Field. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres des côtes et traversent un orage modéré. C'est alors qu'ils commencent à avoir des problèmes pour diriger l'appareil. Ils en déduisent qu'ils perdent de la portance à cause de deux cellules à hélium.
À ce moment, le commandant ordonne une série de manœuvres pour tenter de stabiliser l'appareil. L'une d'elles consiste à lâcher du lest pour compenser la perte d'altitude. L'équipage largue du lest et essaie de gagner en portance dynamique avec les hélices. Ils essaient de diriger le ballon vers le haut. Alors que le Mâcon s'élève au-dessus de son plafond normal, il commence à perdre de l'hélium et à redescendre. Il finit par tomber en mer et le commandant Wheeler ordonne à l'équipage de se rassembler vers l'avant et d'abandonner l'appareil. Le dirigeable sombre. Les appels de détresse ont alerté la flotte qui se trouve assez près, en particulier le croiseur USS Louisville. 60 ans plus tard, ces messages radio ont encore un caractère d'urgence. Message du Mâcon. Ouvrez les guillemets en chute. Fermez les guillemets. Que tous les navires allument leurs projecteurs et couvrent leurs secteurs assignés. Ne pas lancer de fusées éclairantes. Rapportez directement au commandant en chef de la flotte dès que les survivants seront secourus. La mer est toujours agitée au large de Pointcher, mais ce jour-là, elle était particulièrement déchaînée. Et je repense à ces gars tombés dans la mer. Ils n'avaient aucune chance. Pourtant, les bâtiments de la Navy repêchent 81 des 83 membres de l'équipage. Mais lorsque le Mâcon s'enfonce lentement sous les vagues, c'est la fin des dirigeables rigides aux États-Unis. L'encre du traité de Versailles n'est pas encore sèche, que la société Zeppelin doit se battre pour sa propre survie. Finalement, en 1925, les restrictions sont levées. Le constructeur de dirigeables se lance dans la construction d'un nouveau rigide sous la direction du docteur Hugo Eckner, un homme charismatique et plein de dynamisme. Les fonds sont réunis et le dirigeable LZ-127 est construit. Il prend le nom de Graf Zeppelin, Comte Zeppelin. Comparé aux autres dirigeables, c'est un véritable paquebot de luxe. Pourtant, il ressemble fort à un Zeppelin de la Première Guerre mondiale. Il est surnommé le dirigeable chanceux, mais sa longue histoire de vol sans problème a une autre origine. Il avait de la chance parce que le docteur Hugo Eckener l'utilisait avec une prudence extrême. Il ne risquait en aucun cas son dirigeable. Il était tout à fait prêt à prendre une demi-journée de retard en changeant de cap et en modifiant la direction du vaisseau, s'il pensait qu'il était plus sûr de faire ainsi. Sous le commandement talentueux d'Eckner, le Graf Zeppelin couvre près de 2 millions de kilomètres, plus qu'aucun autre dirigeable. Le Graf Zeppelin effectue des centaines et des centaines de voyages divers. Des vols vers l'Italie, vers la Roumanie, vers la Bulgarie, vers la Russie. C'est un appareil qui a fait le tour du monde en 1929. Le tour du monde est un triomphe pour Eckner. Il matérialise le rêve du visionnaire Comte von Zeppelin. Alors que la société Zeppelin passe à travers les difficultés de la crise économique, un second géant prend forme à Friedrichshafen. Le Hindenburg voit le jour à l'automne 1930 comme successeur du Graf Zeppelin. Une fois de plus, une question essentielle accable les ingénieurs. Faut-il remplir le ballon d'hydrogène, abondant, économique mais dangereux, ou bien faut-il le gonfler à l'hélium, sûr mais pratiquement impossible à obtenir des États-Unis, le seul pays producteur? Le Congrès a voté des lois très sévères interdisant l'exportation de l'hélium, excepté 10 litres par 10 litres pour les expériences scientifiques. Le dirigeable volera donc gonflé à l'hydrogène. En 1936, le Hindenburg se rend 10 fois aux États-Unis et 6 fois au Brésil. Le nouveau paquebot entame la saison 1937 qui sera un véritable succès commercial. Puis le hasard, allié au choix de l'hydrogène, va une fois de plus intervenir. Le Hindenburg approche de la station navale de Lakehurst par un soir orageux le 6 mai 1937. Les équipes au sol de la Navy
forte de plus de 200 personnes, s'aventure sous une légère pluie brumeuse pour aller l'immense appareil. Ce qui va suivre est gravé à jamais dans la mémoire de toute une génération. Un tremblement secoue le dirigeable. L'équipage arrière aperçoit la lueur des flammes qui se développent au moment où 190 000 mètres cubes d'hydrogène prennent feu. Alors que l'incendie s'étend, la queue du dirigeable s'affaisse vers le sol, permettant à un certain nombre de personnes d'échapper à l'enfer. Finalement, la section avant tombe aussi et le dirigeable s'écrase au sol. 62 survivants terrifiés s'échappent des débris. De nombreuses théories ont été échafaudées pour expliquer la catastrophe. Mais peu s'appuient sur des preuves tangibles. Sabotage ou accident, personne ne le saura jamais. Au même moment, un autre dirigeable plein d'hydrogène croise à quelques milliers de mètres au-dessus de l'Europe, le dirigeable chanceux, le Graf Zeppelin. La nouvelle arrive aux oreilles du commandant de bord qui décide de la cacher aux passagers jusqu'à l'atterrissage. Quelques mois plus tard, le Graf Zeppelin est retiré du service pour prendre place dans un musée allemand. Et le pays qui avait mis au point les dirigeables rigides se lance à la conquête de l'Europe. Bientôt, des avions frappés de la croix gammée vont larguer des bombes sur de nouvelles terres. Nombreux sont ceux qui croyaient que l'accident terrible du Hindenburg signifiait la fin des dirigeables opérationnels. Pourtant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu autant de dirigeables dans les airs. Des blimps sont déployés par l'US Navy pour escorter les convois et repérer les U-boats allemands qui font des ravages sur les lignes maritimes. Les blimps servaient de longue vue aux convois. Dès qu'ils repéraient un sous-marin, ils envoyaient un message radio au convoi ou au commandant de l'escorte. Dans un certain sens, ils étaient plus efficaces que les avions parce qu'ils pouvaient suivre les convois pendant toute la traversée de l'Atlantique. Le service des convois était long et ennuyeux. Il fallait rester en alerte. On les retrouvait à l'aube, quel que soit le lieu de la mission, et on restait avec eux jusqu'à la nuit. L'essentiel de la flotte de ballons de l'US Navy est formé de dirigeables du type K, 134 sur les 168 ballons lancés au total par la Navy pendant la guerre. Les dirigeables de type K étaient en fait les seuls à servir pour les patrouilles maritimes. Nous avions une mitrailleuse de 12,7 à l'avant, une autre de 7,62 à l'arrière, et nous embarquions 4 mines sous-marines Mark 7 de 275 kg. Les blimps partent à la recherche des sous-marins ennemis en se servant de leur détecteur magnétique aéroporté, connu sous le nom de MAD. MAD gear. L'équipement MAD détectait toute masse compacte dans l'eau. Et souvent, il repérait des bancs de poissons. Beaucoup d'entre nous ont bombardé des bancs de poissons. Le MAD était très efficace si on était proche de la surface de l'eau, et c'était donc assez dangereux de partir pour ce genre de patrouille. Il était normal, dans les plus légers que l'air, d'avoir un couteau à la ceinture. Ce couteau devait servir en cas d'accident à se découper un passage à travers l'enveloppe pour sortir. L'hélium est comme l'eau, on ne peut pas le respirer. On se noie dans l'hélium. Quand ils repéraient un sous-marin, ils étaient tellement lents qu'ils pouvaient rarement lancer une attaque. Dans ce cas, les avions venant de bases terrestres ou de porte-avions étaient beaucoup plus efficaces. On a souvent mis en doute la valeur des dirigeables au combat. Pourtant, le fait est que pendant la Seconde Guerre mondiale, pas un seul navire n'a été victime des sous-marins allemands quand un convoi a été escorté de dirigeables.
Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis démobilisent rapidement. La majorité de la flotte de dirigeables est soit mise à la ferraille, soit vendue, soit mise en réserve. En 1948, le total des fonds destinés aux dirigeables ne représente plus que 1% du budget de l'US Navy. Une fois encore, le dirigeable doit se battre pour son existence dans l'arsenal militaire. Mais la tension monte pendant la guerre froide et les États-Unis retrouvent le besoin de disposer de grands dirigeables pour patrouiller autour de l'Amérique du Nord afin de prévenir toute attaque nucléaire surprise. On redécouvre les vertus des dirigeables souples comme plateformes radar. Il devenait possible de placer des radars à quelques milliers de mètres d'altitude. Les radars montés à bord des dirigeables pouvaient prévenir longtemps à l'avance de l'arrivée de navires de surface ou d'avions ennemis. Une nouvelle série de dirigeables souples, baptisée type ZPG, fait son apparition en 1952. Les dirigeables ZPG sont dotés de trois radars de bord et d'un large dôme radar sous la nacelle. Ces dirigeables, près de 30 mètres plus longs que ceux du type K de la Seconde Guerre mondiale, sont remplis de 27 000 mètres cubes d'hélium et croisent à 128 km/h. On en a construit quelques-uns et on les a utilisés jusque dans les années 60. Mais les coûts de développement, les coûts de manipulation spéciale, les coûts de construction et d'opération des dirigeables étaient devenus trop élevés et le programme a pris fin. En 1962, le dernier dirigeable de l'US Navy est dégonflé et retiré du service. Il ne reste plus que deux dirigeables en service dans le monde entier, celui de Goodyear et un petit dirigeable publicitaire en Allemagne. Il n'y avait jamais eu aussi peu de dirigeables dans le ciel depuis le début du siècle. Le programme des dirigeables est réactivé par l'US Navy dans les années 80, lorsque le ministre de la Marine, John Lehman, cherche à voir si les dirigeables de patrouille radar peuvent appuyer les opérations navales. Aujourd'hui, le Sentinel 1000 est le plus grand des plus légers que l'air dans le monde. Il mesure 66 mètres de long et son volume gazeux est de 9450 mètres cubes. Sa portance est énorme et sa consommation en carburant extrêmement faible, ce qui permet au Sentinel 1000 de rester en l'air sans ravitaillement pendant plus de 24 heures. L'US Navy envisage de l'utiliser en premier lieu comme plateforme radar de grande autonomie pour détecter les missiles de croisière à grande vitesse. Un des avantages du dirigeable par rapport aux avions classiques est la possibilité de loger des antennes de forme spéciale à l'intérieur même du ballon. Installé à l'intérieur, ces antennes ne modifient pas l'aérodynamique de l'appareil. Le Sentinel, animé par deux moteurs diesel d'une puissance de 2400 chevaux, atteint la vitesse de plus de 60 nœuds, 111 km/h. Pour le décollage, il n'a besoin que d'une surface de 100 mètres de rayon. Le dirigeable est très résistant aux tirs ennemis. La forme du ballon est maintenue avec une pression très basse, ce qui veut dire qu'en cas de fuite, le gaz ne s'échappe que très lentement. Un trou de 30 cm dans le réservoir ne fait perdre que moins de 10% d'hélium au dirigeable pendant la première heure. Beaucoup pensent que les satellites de reconnaissance sont bien plus efficaces que les dirigeables, mais en lançant le Sentinel 1000, ses promoteurs espèrent que le dirigeable reprendra une place prééminente dans l'histoire de l'aviation. Le dernier ballon de la Navy a été retiré du service en 1962 et le dirigeable rigide a terminé sa carrière à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Mais quelque part sous les vagues froides de Poincheur en Californie reposent les restes de l'USS Macon et avec eux les derniers vestiges d'une époque révolue de l'histoire de l'aviation. À la fin des années 80, les membres de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey, le M. Barry, découvrent un fragment du Macon qui reposait littéralement sous leur nez. On recherchait des indices supplémentaires de la position exacte du Macon. On avait un morceau de longeron de la structure qu'un pêcheur avait remonté. On a retrouvé le pêcheur et il nous a fourni suffisamment d'informations pour effectuer une plongée avec l'US Navy en 1990. L'équipage du Sea Cliff a réussi à retrouver l'emplacement des débris en moins de 10 minutes, pratiquement là où c'était prévu.
J'étais soulagé que tout se soit passé aussi bien. C'était formidable. Après cette découverte très prometteuse, les événements se précipitent. Une nouvelle recherche est organisée par l'intermédiaire de l'Institut avec son navire de recherche. Un robot submersible dénommé ROV est envoyé au fond. En quelques minutes, il se pose par 500 mètres de fond. Devant lui s'étalent les débris du dernier dirigeable rigide américain. Nous avons pu établir une hypothèse sur la manière dont le dirigeable s'est brisé. Il semble qu'il se soit cassé en trois parties en sombrant. Et il est possible que la section arrière ne se trouve pas dans la zone que nous avons découverte. Des années dans l'eau salée ont laissé des traces sur la carcasse délicate du dirigeable. Pourtant, on reconnaît de nombreuses parties du Mâcon disséminées sur le fond de l'océan comme un gigantesque jouet cassé. Le nez d'amarrage du dirigeable qui servait à accrocher l'appareil à son mât à Moffett Field est maintenant une épave rouillée. Les énormes moteurs Maybach qui propulsaient autrefois le Mâcon à 128 km/h sont maintenant silencieux, remplis de vases et d'eau de mer. Un tas de vaisselle provenant des cuisines qui nourrissaient alors les aéronautes est maintenant nettoyé par des pilleurs du fond des mers. Un réservoir de carburant crevé parmi d'autres objets qui furent jetés par-dessus bord en 1935 dans une tentative désespérée pour garder l'appareil à flot dans ses derniers moments. Tout est maintenant refuge pour quelques poissons craintifs. La porte de la nacelle de contrôle, à plat et entourée de câbles, de placards et de commandes diverses, tous ces objets reposent là sous la vase. Alors que le dirigeable lui-même s'est désintégré depuis longtemps, ne laissant que des fragments, les chasseurs Sparrow Hawk sont étonnamment intacts. Disposés comme dans leur hangar, ils pointent leurs mires inutiles vers des adversaires disparus depuis longtemps dans les flots de l'histoire. Leur cockpit, rempli de vases, affiche encore l'instrumentation rudimentaire. L'eau salée a depuis des années attaqué les épaves dont l'entoilage a disparu. Pourtant, sur une des ailes, on distingue encore la cocarde. Un dernier et unique Sparrow Hawk se trouve au musée de l'aéronaval. Mais ces avions-là resteront où ils sont, sans jamais revoir le ciel dans lequel ils évoluaient autrefois. Ils reposent avec le Mâcon, monument à la mémoire des hommes disparus et d'une guerre faite et gagnée sans eux. Aujourd'hui, le grand hangar de Moffett Field à Sunnyvale attend toujours porte béante le retour du vaisseau pour lequel il avait été construit. Les dirigeables ne reviendront pas, mais ils furent un élément gracieux et autrefois visionnaire de l'histoire de l'aviation. Aucun avion doté d'une voilure n'a jamais égalé le dirigeable en termes d'endurance. La durée des vols se mesurait non pas en heures, mais en jours. Aucun avion n'a jamais égalé sa taille. Certains mesuraient 240 mètres de long. Et peu d'avions peuvent égaler la riche suite de succès impressionnants et d'échecs spectaculaires des dirigeables. Quel que soit le sort du dirigeable au XXIe siècle, ces élégants vaisseaux des airs laisseront une trace inoubliable dans l'histoire de la guerre et de l'aviation.